Salut les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la date de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Mais avant de parler de Kylian Mbappé qui va signer au Real Madrid, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important, je compte sur vous. Et nous les gars, on est parti pour parler d'Mbappé au Real Madrid. D'après les informations de Foot Mercato, l'avenir de Kylian Mbappé devrait bien s'écrire à Madrid. Mais le français a une grosse crainte. Kylian Mbappé et le Real Madrid, c'est de plus en plus chaud. Tout simplement parce que dans un peu plus d'une semaine, la star tricolore pourra négocier en toute liberté avec l'écurie de Liga. Même si on se doute que les discussions ont déjà démarré depuis longtemps entre Florentino Pérez et l'entourage de l'attaquant français Mbappé, il pourra, dès le 1er janvier, signer un contrat avec les Merengues. Alors que la presse ibérique commence même à parler d'un contrat de 6 ans et d'une prime à la signature colossale, il y a un petit contretemps dans cette histoire. La confrontation entre les deux clubs en Ligue des Champions. Effectivement, le clan Mbappé préfère attendre que ses 8e de finale soient passés pour décider, notamment pour ne pas se mettre dans l'embarras vis-à-vis de son club actuel et de celui qui risque bien d'être sa prochaine destination. Seulement, comme l'indique AS, Kylian Mbappé a une crainte. Le joueur format à l'AS Monaco redoute ainsi de se blesser avant d'avoir signé son contrat. Un risque conséquent selon le journal, puisqu'une grosse blessure ne devrait pas forcément remettre en cause son arrivée à Madrid, mais l'empêcherait clairement d'être en position de force. La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid devrait être donc reportée au mois de mars, soit 2 mois après les 2 confrontations. Voici en tout cas les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, donnez-moi votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à liker et vous abonner avec la cloche. Ça reste évidemment le plus important. Je compte sur vous les mecs et tout simplement, salut.